entendre le premier ministre hier. Le premier ministre nous a dit bien clairement qu'il finit une discussion, il finit dire qu'il nous finit avec ça, nous tourne page, et qui déjà, aujourd'hui, ce matin, vous avez connu, Navina Ramia a dit une prête serment, nous travaillons pour continuer, peine en chamboulement, nous dans nos travail, et nous pour continuer à faire notre travail. Pour moi, le premier ministre a un plan de travail, et il finit toujours dire qu'il est pour focus sur ce travail. Peine un an qui est capable de déconcentrer lui, et c'est le même mot d'ordre pour tous les ministres. Mais ben, le travail continue. Il dit qu'il comment dire, ça fait l'événement, il fragilise le MSM. Est-ce qu'il trouve ça? Qu'il ne fait pas partie bizarre. Bon, vous dire, ouais, c'est des affaires. Un gouvernement qui a un bilan, comment le gouvernement dirigé par Pravin Jagnat. Non, il n'a pas qu'à fragiliser. Moi, je vous dis, hier, nous sommes à Côte d'Or. Et notre 324 nouvelles maisons qui peuvent construire à Côte d'Or, avec un site vraiment extraordinaire. Le travail a déjà commencé. Ben, la case pour près d'ici, en partie juillet, en partie en novembre. Nous avons autant de choses qui nous font faire, que ce soit pour les travailleurs mauriciens, la compensation salariale de 1500 à 2000 roupies, le salaire minimal qui nous ont dit à 18 500, un pays que ce MRE Pévin finance ben employé, c'est quelque chose de formidable ça. Moi pensais que quand le Mauricien guette le bilan de ce gouvernement là, vous connaissez, non, il n'est pas pour faire nous bouger dans nos directions qui nous font prendre, nous travaillons et continuer, et moi pas trouvé de quelle façon ça capable fragilise nous. D'ailleurs, hier, au fin d'écoute, le premier ministre, il dit allez bien clairement, le travail peut continuer. Et le nouveau ministre déjà en place, nous,